Bonjour Régine. Bonjour Cédric. Bonjour les jeunes. Bonjour les jeunes. Alors aujourd'hui, on est là pour faire un point sur la mission. La mission Fleurir le désert. Donc on voulait vous remercier les jeunes de votre dynamisme. Vous répondez à notre appel et c'est merveilleux. Vraiment c'est super. Les personnes qui ont été déjà contactées sont ravies. Et je pense que vous aussi, qui êtes déjà en lien, vous tirez de la richesse de ces contacts. Donc merci à vous, vous êtes déjà 16 jeunes à avoir répondu. Et il y a 26 personnes isolées qui sont en lien avec vous. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin de jeunes? Oui, tout à fait. Donc sentez-vous libre. Alors bien sûr, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on comprend que vous ayez des contraintes et qu'on essaie de s'ajuster au fur et à mesure aussi à ce que vous pouvez. Il y en a qui l'année dernière n'ont pas pu nous rejoindre. Cette année, vous vous mobilisez parce que c'est plus dans l'ordre du possible pour vous. Mais il y a aussi des jeunes qui sont venus nous rejoindre l'année dernière et qui reviennent cette année. Donc voilà. C'est chacun comme vous pouvez, mais en tout cas, ce que vous faites, c'est super. Je voulais vraiment vous remercier et vous dire que c'est déjà une belle marque de carrière. Alors, on rappelle la mission. Donc, la mission, c'est appeler deux personnes par semaine, deux personnes isolées, oui, durant le temps du carême. Et la mission s'arrête à Pâques. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et puis on reste en lien, mais en tout cas, c'est tout ce que vous permettez, là, c'est presque des moments d'éternité. À bientôt. Ciao. Ciao.